nous bénissons le nom du Seigneur qui est là, qui est présent. Bienvenue d'être dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu es assis ici là. C'est parce que le Seigneur a un plan pour toi. Lui seul est fidèle pour accomplir sa volonté dans nos vies. Lui seul est fidèle pour te conduire dans les pas de justice. Nous voulons entrer dans sa présence avec ce cantique et lui dire: Seigneur, nous voici, manifeste ta bonté, manifeste ton amour, fais-nous du bien pendant que nous sommes assis devant toi. Alléluia. J'entrerai dans ces palais avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces palais avec gloire. Je dirai: voici venu le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Présence du Seigneur, c'est un privilège, une grâce pour nous d'être assis à sa présence. Alléluia. Amen. Ma soeur, nous avons vraiment t'invité à prendre la bonne position, à prendre la bonne position d'écoute, parce que nous sommes sûrs que Dieu va te rencontrer dans ton besoin. Amen. Pendant que nous sommes assis au devant de lui, c'est sa volonté qui va s'accomplir dans nos vies. Pendant que nous sommes assis au devant de lui, il va te bénir. Amen. Pendant que nous sommes assis au devant de lui, il va ouvrir les portes devant toi. Pendant que nous sommes assis au devant de lui, il va descendre dans sa puissance. Amen. Quand Dieu descend, il y a tout tombe, les chaînes tombent, on est libéré, on est béni, on Amen. Est délivré. Alléluia. Donc c'est vraiment une grâce. Nous voulons tout simplement remettre entre les mains, entre ses mains, toutes choses, et lui dire: Seigneur, glorifie ton saint nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Toi qui permets, ô Seigneur, que nous puissions être en ta présence. Alléluia à toi. Merci pour ma soeur qui est là, merci pour mon frère, merci pour toute personne, ô Seigneur, qui est connectée sur cette plateforme. Nous disons la bienvenue au Saint-Esprit au milieu de nous. Nous te donnons la première place, nous prions, Seigneur, afin que tu viennes conduire ce moment. Ô Dieu, règne au milieu de nous, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Pendant qu'on se tient au devant de toi, ô Dieu Tout-Puissant, donne gloire à ton nom, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accomplis ta parole dans nos vies et dans la vie de nos bien-aimés, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais-nous la grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons prier, continuons à élever la voix. Tu vas présenter ton cœur afin qu'il n'y ait pas d'obstacle en toi, il n'y ait pas quelque chose qui bloque ton chemin pendant que tu es assis devant le Seigneur. Nous prions et rendons grâce à Dieu. Prions, Seigneur Dieu, pendant que nous sommes assis au devant de toi, nous voulons soumettre nos pensées, soumettre nos cœurs, soumettre toutes choses à l'obéissance à ta volonté. Nous refusons, ô Seigneur, les œuvres de la chair dans nos vies. Nous refusons, ô Seigneur, que nos cœurs portent, ô Dieu, les meurtres ou les traces du péché. Nous voulons, ô Dieu, dépouiller nos cœurs devant toi et déverser, ô Seigneur, afin, ô Dieu, d'être lavé par ton sang. Au nom de Jésus, lave-nous, purifie-nous, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie mon corps, purifie-moi, ô Dieu, purifie ma soeur, ô Seigneur, afin qu'ô Dieu, nous puissions être agréables devant de toi. Au nom de Jésus, je refuse d'être un blocage. Je refuse d'être, ô Dieu Tout-Puissant, un objet, ô Dieu, de scandale devant de toi. Mais pendant que je suis au-devant de toi, je prie afin que, ô Seigneur, tu permettes que nous puissions, ô Seigneur Dieu, accomplir nos vœux au-devant de toi. Le vœu qui est d'entrer dans ta présence, le vœu qui est d'être en communion avec toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Gloire et louange à toi. Nous avons prié afin que notre atmosphère soit saturée du Saint-Esprit. Tu as prié, toi qui es au loin, toi qui est proche, que le Saint-Esprit vraiment prenne contrôle et qu'il dirige toutes choses. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Prends la première place. Dirige-nous, Seigneur. Dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, Seigneur, pour ta
Rabashid, que tu puisses régner au milieu de nous, que tu puisses régner au Rabashid, et les Bassaïa Bakanta, Inna Rabashid, et les Baba Chanto, le Bossaïa Bakanta, et les Bossaïa Bakanta, les Bashik, et les Baba Chanto, au Rabakanta, les Bashama, les Bashente, et les Baba Chente, au Rabakanta, les Bashende, les Bossaïa Bakanta, alléluia. Prends la première place afin que le nom du Père soit glorifié. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas vus, mais que toi seul sois vu, oh Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu prends la première place. Alléluia. Loué sois-tu, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos points de prière. La promesse, nous allons parler des promesses du Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais Saul n'y prit point garde. Amen. Alléluia. Nous avons prié afin que nous n'ayons pas de mépris dans la présence du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas mépriser, ne pas considérer, ô Dieu Tout-Puissant, des choses qui sont devant nous, mais ô Père éternel, pendant que nous sommes devant toi, nous te donnons la première place, ô Seigneur, dans tout ce que nous faisons, ô Dieu. Nous n'avons pas l'attitude de mépris, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne prenons pas les choses qui sont pour toi, nous ne prenons pas la vaine gloire, nous ne prenons pas tout ce qui t'appartient, nous voulons soumettre, ô Dieu, que nous prosterner au devant de toi, reconnaître que c'est toi et toi seul qui es Dieu, au nom de Jésus Christ. Nous avons lu le psaume 141, verset 1 à 2. Amen. Je lis au nom de Jésus. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. Alléluia. Amen. Continue à prier. Voilà quand je invoque le Seigneur. Invoque-le d'un cœur sincère. Invoque-le afin qu'il puisse agir dans ta vie. Invoque-le pour que Seigneur, que nos prières ne soient pas juste des paroles, Seigneur, mais que ce soit des prières, ô mon Dieu, mon roi, qui s'élèvent à toi comme un parfum de bonne odeur. Pendant que nous invoquons, ô Seigneur, tu manifestes ta bonté. Pendant que nous t'invoquons, que tu nous fasses bien. Pendant que nous t'invoquons, nous serons délivrés. Ô Seigneur, nous voulons, ô Seigneur, te donner la première place. Vraiment que, ô Seigneur, ce ne soit pas en vain que nous nous tenions devant de toi. Nous apprends-nous, enseigne-nous à nous tenir devant de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans Exode 17, verset 15. Alléluia. Je lis au nom de Jésus.
Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alléluia. Tu vas prier pour bâtir un autel dans la prière avec Amen. Dieu. Un lieu où le Seigneur est ta bannière. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour vous, Père éternel, afin que tu sois ma bannière, la bannière de mon frère et de ma soeur. Oh Seigneur, quand je viens au-devant de toi, tu sois, oh Seigneur, ma bannière à moi au nom de Jésus. Rama ma contre le bouchet, le bouchet, le bouchet, le bouchet, nous lisons, nous sommes dans Exode, nous avons lu Exode, nous sommes dans Deutéronome 28, 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. Et au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tout nous t'appelons afin que tu sois le Dieu de victoire dans nos combats. Seigneur, les combats de nos vies, les combats que nous emportons, les combats que nous emportons dans le travail, dans tout ce que nous faisons. Sois celui qui combat pour nous, au nom de Jésus. Combat nous, combat au nom de Jésus. Seigneur, que quelqu'un soit dans une situation délicate maintenant, prions afin que tu sois le Dieu qui combat pour lui, au nom puissant de Jésus. Oh Rabachan, garde en portée les victoires de nos vies, au nom de Jésus. Psaume 68, versets 2 à 3. Amen. Je lis au nom de Jésus. Au chef des chants de David, psaume cantique. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Amen. Amen. Prions afin que nos adversaires fuient devant notre face. Seigneur, pendant que nous sommes au-devant de toi, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans ma vie de famille, lève-toi dans mon ministère, lève-toi, oh Dieu, quand je suis dans ta présence, lève-toi, oh Seigneur, face à mes ennemis, lève-toi dans mes études, lève-toi dans mon travail, lève-toi pendant que je suis en route, lève-toi, oh Rabachanta, pendant que je suis au-devant de toi, et que tout ennemi de ma vie se disperse, tout ennemi de ma corps, de ma destinée se disperse. Toute personne qui marche contre moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Acte 10, verset 38. Alléluia, amen. Je lis au nom de Jésus. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Prions afin d'être au moyen du Saint-Esprit. Prie afin que le Saint-Esprit se te remplisse. Prions au nom de Jésus. Seigneur, prions au Dieu pour une effusion du Saint-Esprit dans nos vies, une manifestation du Saint-Esprit, que nous soyons proches de toi, ô Dieu. Que, ô Seigneur Dieu, tout ce que nous fassions soit imprégné de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions au Seigneur, quand nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, que ton effusion se fasse dans les maisons, que ton l'effusion se fasse dans les villes, que l'effusion du Saint-Esprit se fasse. Oh, Kadila Machete, dans les cœurs, Kente de Moussaya. Oh, Rabakata Machete, qui est un bouleversement, que là où les vies étaient routinières, je déclare au nom de Jésus qu'il y a un bouleversement de l'effusion du Saint-Esprit, une véritable rencontre, une sincérité devant le roi de gloire, Kontali Machete de Moussaya, afin qu'il règne totalement, afin qu'il règne totalement. Oh, Papa Kadali Machete, oh, crée un bouleversement dans nos cœurs, crée un bouleversement dans nos âmes, crée un bouleversement quand tu vas chanter les mots saya. Oh, Rabba Kantari Bashekere Baba, oh, Rabba Shendere Mosaya Bakanta, Indana Bashendere Kondara Bashente, oh, Rabba Shindaya Bashente, oh, Rabba Kantara Bashente, oh, Rabba Shendere Mosaya, une manifestation de toi, une manifestation de toi, une manifestation de toi, dans les foyers, au sein des maisons, au sein des familles, dans les quartiers, dans les villes, dans le Québec, dans Montréal, dans l'Angleterre, dans le Canada, oh, dans tout Kantari Bashantara Bashendere Mosaya, alléluia. Merci papa. Oh la machine. Oh la machine.
Alléluia. On continue à prier pendant que le Saint-Esprit nous remplit. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Je lis au nom de Jésus. 1 Jean 3, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Prions au nom de Jésus que toute racine de péché se trouve en nom de Jésus. Colossiens 2, chapitre 13 à 15. Je lis au nom de Jésus, Colossiens 2, chapitre 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous rendons grâce à cette œuvre de la croix par laquelle nous avons le salut, cette œuvre de la croix par laquelle nous pouvons, oh Dieu, avoir accès à Dieu. Il a dépouillé les autorités qui gardait nos vies captives. Et j'ai livré un spectacle avec toi à la croix. Pour toi et pour moi. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu avais d'elle. Merci parce que tu avais d'elle. Oh Dieu, je peux vivre et m'épanouir en toi. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Rendons grâce à Dieu parce que nous sommes en Christ. Amen. Nous n'avons aucune condamnation dans nos vies. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que, ô Père éternel, nous n'avons aucune condamnation au nom de Jésus. Alléluia. Toi, béni sois-tu parce que tu agis. Béni sois-tu parce que, au travers de la croix, nous avons été sauvés et aucune condamnation ne demeure dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous disons Hébreux 12, verset 29. Amen. Je lis au nom de Jésus. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors soyons sages. Prions et rendons. Prions et afin que le feu dévorant que Dieu est ne puisse pas agir dans nos vies. Mais que ce feu vienne dépouiller toutes les œuvres des ténèbres. Que tu sois épuré afin d'être saint et irrépréhensible devant le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que Dieu, tu es un feu dévorant. Nous prions que ton feu brûle en nous, nous embrase. Et que ça nous épure. Enlève toute chose qui est impure dans nos vies. Au nom de Jésus. Jésus, et que nous puissions être disponibles pour faire ton œuvre au nom de Jésus. Ramakanda, Rebeshete de Baba, Oroshara Kamama, Rebeshete de Baba, Oroshara Kamama, Oribakende de Baba, au nom de Jésus. Jean 8, verset 36. Amen. Je lis au nom de Jésus. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Prions au nom de Jésus. De même que Dieu nous a purifiés, afin que le Seigneur Jésus, toutes choses encore qui nous tiennent captives, que le Seigneur que soit brisé, maintenant les liens soient brisés, afin que nous puissions être libres. Prie, demande au Seigneur de te libérer de toutes choses qui te tiennent captives, que ce soit dans le péché, que ce soit dans ton comportement, que ce soit dans ton caractère, les choses enracinées en toi, que ce soit des malédictions. Peu importe la chose, prie au nom de Jésus-Christ. Ramakoto, Rebeshete de Baba, Koroshata Shekerebo Saya Bashete de Baba, Kontoro Ramakata Bashama Yabashete de Bosaya, Oramakata Bashaya Bakata Bashete, Bosha Bashete de Baba, Rebeshete de Shanta Ramashoto de Shanta, Ramakata Bashoto, Rebeshete au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Jean 4, 4. Amen. Je lis au nom de Jésus. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Jean 10, 10. Amen. Jean 10, 10, je lis au nom de Jésus.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Nous allons prier afin que les gens aient Christ et qu'ils soient dans l'abondance. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au Père éternel, te recommandons nos vies, la vie de nos bien-aimés, afin que tu sois vraiment présent, afin que nous aurons la vie, que nous vivons en abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Jean 4, 7. Amen. Jacques 4, 7. Je lis au nom de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Nous prions pour une soumission totale au Seigneur. Seigneur, nous prions au Seigneur afin d'être soumis à toi. Je prie afin d'être soumis à mes pensées, mon cœur, tout en moi, ô Dieu, à toi et à ta volonté. Je soumets au Père éternel, mon frère, ma soeur, à ton obéissance, à ta volonté. Toute chose rebelle en nous. Nous prions pour la soumission maintenant au nom de Jésus-Christ. Afin d'obéir à ta volonté, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Colossiens 2, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. La première chose, on va délier toutes les choses qui sont liées dans nos vies. Amen. Deuxième chose, on va lier toutes les choses qui doivent être liées. Alors, regarde ta vie. Regarde, tu te connais mieux que moi. Mmh. Est-ce qu'il y a dans ta vie des choses où tu sens des blocages, tu vas délier. Dans l'avenir, ton travail, délie tes entrailles. Tout ce qui doit être délié dans ta vie, tu as maintenant l'autorité au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais prier maintenant pour délier au Seigneur toute chose qui est attachée dans ma vie, toute chose qui n'est pas de toi, toute chose qui m'amène hors de ta volonté. Je vais délier ça dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Je prie au Père pour mon frère et ma soeur, les choses qui sont des blocages, les choses qui empêchent l'avancement de ton œuvre, les choses au Seigneur Dieu qui bloquent nos vies. Nous délions tout attachement humain, tout attachement sentimental, tout attachement au Seigneur émotionnel qui n'est pas de toi. Nous délions cela au nom de Jésus. Nous prions au Seigneur pour que, au Père éternel, ce soit seulement ta volonté qui soit faite au nom de Jésus. Nous attachons à toi, nous nous lions à toi au nom de Jésus. Je me lis à l'obéissance à Dieu. Je me lis au Père à l'intégrité à Dieu. Je me lis au Rabachente, à la soumission. Je me lis quand tu as Rabachente, Ribababa au Saint-Esprit. Je me lis quand tu as Rabba à la méditation de la parole de Dieu. Je me lis quand elle va à la transformation du cœur. Je me lis quand elle va à la douceur. Je me lis à la tempérance. Je me lis à la patience. Je me lis quand elle va chasser. Je me lis à l'amour de Dieu. Je me lis à la compassion de Dieu. Au nom de Jésus. Je me lis contre au ciel. Au nom de Jésus. Je lis ma destinée à la vie éternelle. La destinée de mon mari. La destinée de mon ministère. La destinée quand elle va. Au rabâcher. La grâce divine, la faveur divine à ma vie, au nom de Jésus. J'ai mis le succès à ma vie, au nom de Jésus. L'excellence, au nom de puissant de Jésus. La sagesse, au nom de Jésus. L'intelligence, au nom
nom de Jésus, la progression au nom de Jésus, l'expansion au nom puissant de Jésus, la multiplication au nom de tout ce que je touche prospère au nom puissant de Jésus, qui n'est pas de toi, nous chassons toute chose qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia, toi, au nom de Jésus Christ. Alléluia. Nous allons au psaume 22, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Amen. Alléluia. Continue. 1 Pierre 5, 8. Je lis au nom de Jésus. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors nous continuons, tu vas prier que l'Éternel soit ton secours. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Dieu connaît, prie maintenant que Dieu soit ton secours dans cette situation. Au nom de Jésus. Philippiens 2:2. Je lis au nom de Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous allons prier que les âmes confessent Jésus-Christ. Seigneur, nous prions maintenant que les âmes te confessent que c'est toi qui es Seigneur. Au nom de Jésus, nous appelons les âmes à la repentance. Nous appelons les hommes à la repentance, les femmes, les enfants. Nous appelons tout cela, oh mon Dieu, mon roi, qui est Télévosaïa. Nous appelons les âmes à confesser que toi seul es Seigneur. Toi seul es Seigneur, pour t'arriver à chez Télévosaïa. Que le voile tombe dans les maisons, que le voile tombe contre Arivachete, oh Rabakantarabachete, Indarabachete de Bosaya, oh Rabakantarabachete, oh Rabakantarabachete de Bosaya, Bakanda, Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier afin que tu manifestes ces dons-là. Amen. Les dons de l'Esprit de Dieu, les dons de ceux qui ont cru en Jésus. Amen. Prie au nom de Jésus que ce soit effectif. Que le surnaturel prenne place dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la manifestation du surnaturel. Alléluia à toi Seigneur Jésus. Psaume 124 verset 8. Je lis au nom de Jésus. Notre secours est le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Zacharie 4, 6.
Je lis au nom de Jésus. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Continue à prier. Tu vas prier que Dieu soit ton secours dans les situations que tu traverses. Que Dieu se lève dans les situations que tu traverses. Et que Dieu garde la famille unie. C'est très important. Les pères et les enfants unis. Prions afin qu'il n'y ait pas de division au milieu de nous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Dieu qui guérit. C'est le Dieu au Seigneur qui est le Seigneur dans les familles. Prions au Dieu pour l'unité dans les familles. Au nom de Jésus, nous prions la division. Nous prions afin que le secours dans les difficultés. Au nom de Jésus, ton amour dans les cœurs. Ton amour encore plus de toi. Que ton amour soit manifesté dans les cœurs. Que ton amour soit manifesté dans les foyers. Que ton amour soit manifesté dans ton corps, dans le corps du Christ. Que ton amour soit manifesté dans les assemblées. Que ton amour soit palpable, Seigneur. Alléluia. Que nous vivions ton amour. Bénissons le nom du Seigneur pour ce temps de prière. Remercions-le. Nous aurons encore une autre rencontre, mais en ce moment, nous arrêtons là. Bénis le Seigneur qui t'a exaucé. Bénis le Seigneur qui t'a donné de passer du temps en sa présence. Nous prions et rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te remercions. Merci toi qui as permis que nous puissions être en ta présence. Merci de nous avoir assisté. Merci de nous avoir exaucé. Donne-nous de continuer au Seigneur, personnellement même, à nous tenir devant de toi par rapport au Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'amour que nous avons envers toi. Merci, oh mes frères et sœurs, que tu as béni. Merci, oh Dieu, pour ta grâce que tu déverses sur la terre. Merci pour une nouvelle semaine de bénédiction, de miracles, de sanctification, de sainteté, d'intégrité, de méditation de ta parole. Au nom de Jésus, nous relâchons toutes ces bénédictions dans la vie de ton peuple, dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci parce que nous vivons, oh Dieu, Dieu en nous. L'espérance de la gloire, Emmanuel avec nous. Alléluia. Merci pour le ministère de restauration d'Alain. Amen. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois fidèle à l'intercession. Je suis sûr que Dieu a quelque chose pour toi et que cela va apporter un changement dans ta vie. Amen. Nous sommes le ministère Centre de restauration de l'âme. Si tu as un besoin, n'hésite pas à nous contacter. Nous avons notre adresse ou bien nos numéros de téléphone qui passent en bas. Alors n'hésite pas à nous contacter. Sois béni et que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Alléluia. Amen. Bye.